Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine fitness mais aussi pour réaliser une séance de sport avec vous en direct pour qu'on puisse travailler les cuisses et les abdos. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Si vous avez suivi mon parcours sport, vous savez que j'étais inscrite à la salle mais finalement je me suis désinscrite et que je continue uniquement à faire mon sport sur mon application PhysUp depuis un an. Au moins ça me permet de faire mon sport à la maison, tranquille. D'ailleurs si vous voulez qu'on se motive ensemble, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'application PhysUp. Mon pseudo c'est Laura Milo et je vous mets le lien dans la description. C'est vrai que j'en fais pas souvent mais si vous voulez voir plus de routines fitness, n'hésitez pas à relever de nouveaux challenges et à mettre 1200 likes dans cette vidéo. Je vois pas passer le temps, ça passe vraiment trop vite mais ça fait un an qu'on est partenaire avec PhysUp et c'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo est sponsorisée par eux. Sur cette application vous avez des programmes de sport gratuits et vous avez aussi PhysUp Premium qui vous permet d'avoir un accès illimité à l'application, c'est-à-dire programme de sport, nutrition, yoga, méditation. Bon, franchement c'est une application très complète pour prendre soin de soi et si vous êtes intéressé par PhysUp Premium, très honnêtement restez jusqu'à la fin parce que pour la semaine du Black Friday ils ont fait une offre de malade. Donc je vous en reparle juste après mais avant ça on va faire notre petite séance de sport et j'ai choisi de vous faire faire une séance du programme Booty qui permet en fait tout simplement de sculpter le corps au niveau des fessiers, des cuisses et des abdos. Et si cette séance vous plaît c'est un programme que vous pouvez tester gratuitement donc n'hésitez pas sans avoir besoin en plus de matériel. Et la séance du jour ça va durer à peu près aller dans les 15 minutes. Bon assez parlé maintenant on passe au concret et c'est parti pour la séance de sport. Avant de commencer la séance n'hésitez pas à mettre pause et à vous échauffer pendant 5 minutes à peu près les poignets, les bras, les jambes parce que maintenant on va démarrer la séance donc je vais faire le renforcement avec les squats, squat sumo et le relevé de bassin. C'est parti pour les squats, on commence avec une série de 30. On sent que ça commence à échauffer les cuisses. Et 30. Continue avec une série de 30 pour les squats sumo. Il faut que vous ayez les pieds plus larges que votre bassin. La pointe des pieds vers l'extérieur. Et on commence les squats sumo. On va essayer d'aller chercher bien bas. On a fait la moitié. On lâche rien parce qu'on est qu'au début de toute façon. On en profite pour dire bonjour à Izzy. Elle sait pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ?
Allez, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Les trois exercices qu'on vient de faire ici, ça va faire sur encore deux séances, toujours avec des séries de 30 sur les trois. Donc je vous laisse continuer pour pas que ce soit trop long, je vais passer à la suite. Les exercices abdos qu'on va faire, ça va durer à peu près 6 minutes. Et pour vous donner une idée des exercices, donc on va faire le banana basson, le crunch croisé alterné genou vers poitrine, le double crunch tendu et pour finir le crunch bras tendu. Et ce programme là encore une fois on va le faire sur 3 séries. Donc j'espère que vous êtes prêts, mais avant ça prenez une petite minute de repos quand même. C'est parti pour la première séance, on commence avec le banana muscle pendant 20 secondes. Et contractez bien les abdos surtout, c'est le but de l'exercice. C'est pour ça qu'on tient en équilibre du coup sur les jambes. C'est parti pour 20 secondes. Moi, je sens que ça force. On a 20 secondes pour se mettre en position et on va faire des crunchs croisés alternés genoux vers poitrine. Maintenant, on enchaîne avec les doubles crunchs tendus. Donc, on est couché au sol, les jambes tendues et les bras tendus au-dessus de notre crâne. C'est parti maintenant pour la deuxième série. Franchement, ces exercices, ils font vraiment bien travailler les abdos, je trouve. On se met en position pour les crunchs croisés. Et on termine par les crunchs bras tendus. Dernière série, on prend les banana basson. En position pour les crunchs croisés. On contracte bien les abdos. Et pour
pour terminer maintenant les crunchs bras tendus. Et maintenant qu'on a fini nos exercices, n'hésitez pas surtout à vous étirer. J'espère que cette petite séance ne vous a pas trop fatigué, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à tester le programme gratuitement. Et comme je vous l'avais promis, je vais vous parler de l'offre spéciale pour la semaine du Black Friday. Ouvrez bien vos oreilles parce que je trouve que c'est une offre vraiment cadeau. Vous avez moins 70% sur l'abonnement de 12 mois, c'est-à-dire que ça revient à 29,99€ sur un an. C'est vraiment pas cher du tout pour avoir un accès illimité à l'application. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc la promotion s'arrêtera le dimanche 1er décembre, mais si vous regardez cette vidéo en décembre ou pendant une autre période, ne vous inquiétez pas, le lien que je vous mettrai, ça sera un autre lien qui vous redirigera sur l'application gratuite. Et ce que j'aime bien sur cette application, c'est que vous avez aussi la partie nutrition qui vous fait un programme jour par jour, donc du lundi au dimanche, pour vous donner des idées de plats, de recettes. Donc ça c'est cool si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et que vous n'avez jamais d'idées repas. J'ai aussi testé le yoga et la méditation, et franchement si on veut se relaxer, c'est pas mal aussi. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Avec l'application FizzUp, si vraiment vous n'avez pas assez de votre programme, vous pouvez aussi faire des challenges ou alors faire des séances libres pour faire un petit peu plus de sport tout au long de la semaine. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette routine fitness. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.